Le carnaval de Millau 2022, je n'y étais pas. Mais on m'a raconté. On m'a raconté l'installation du dindon, le matin, sur sa remorque, mobilisant une vingtaine de porteurs. On m'a raconté son arrivée place du Mandarou, avec ceux qui frappent d'abord, au milieu de la foule des déguisés, des batoukadas et des fanfares de toutes les couleurs. On m'a raconté l'ours géant de la manivelle, entouré de ces féroces sauvages aux crocs acérés. On m'a raconté les fanfarons cordélois en bleu et jaune, assortis à la baleine des chantiers navals de Compreignac. On m'a raconté la courageuse Bérézina, descendue de ces montagnes slavéronaises pour montrer que la Russie n'est pas qu'un peuple de soudards rangé derrière son dictateur. On m'a raconté la Diane Rouergat en punk à crête, descendue de la grande ville de Rodez pour faire vibrer l'asphalte et groover les platanes de l'avenue de la République. On m'a raconté la fusion incandescente d'une gueule rythme avec l'écho des Avennes, rejoint par les tambours et les danseuses de Samba Millau pour un deux turcs d'anthologie.
On m'a raconté l'installation délicate du dindon sur son bûcher, sa mise à feu théâtrale par les sauvages, la chaleur intense du brasier, tandis que toutes les fanfares défilaient ensemble pour l'adieu au carnaval. On m'a raconté le drapeau ukrainien déployé devant les braises et l'hymne ukrainien joué comme un chant d'espoir par toutes les fanfares, ensemble. On m'a raconté la suite à la salle de la menuiserie. Les 8 formidables musiciens du torride Sonke Funk Band de la Peau du Zouk. On m'a raconté les afters du lendemain. La visite de pères en jaune et bleu, les rencontres des mères de Cordel et de Comprégnac, le brunch à Véronée au soleil devant la salle des fêtes. L'après-midi, 2 heures de pur bonheur avec la Peau du Zouk, rue du Tioulas, chez Louis, devant sa cave.
On m'a raconté tout ça. Moi, j'étais au lit avec le Covid.